Angélie Poirier, casting TVTMJ, promotion Roger Hanin, poésie de Victor Hugo, demain dès l'aube. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour, pour moi, sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni le voile, au loin descendant par fleurs. Mais quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet d'eau vert et de bruyère en fleurs. Victor Hugo. Regarde, maison. Toujours accroché à Valentine. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? Normalement, les mecs, ça devrait pas être un problème pour nous. Non, mais pour nous, si. Bah, qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? Ah, on a rien de moins. On en a même plutôt plus. Mais ce qu'on en a de plus, c'est de trop. Mais qu'est-ce qui nous reproche, les mecs? On est habillé à la mode pourtant. À la mode, oui, mais de quelle année? Mais regarde pas ça, les mecs, ils jugent pas là-dessus. Ils sont plus intelligents que ça, non? Oui, il n'empêche que le foie en boîte, des mecs, il y en a pas un qui t'a passé la parole. Dimanche, quand j'avais mis ma belle tenue? Oui, celle en velours orange avec ta chemise à jabot et tes chaussures au talon. Mais évidemment, c'était une soirée à thème, un peu carnaval quoi. Ils n'osaient pas me parler parce qu'ils étaient impressionnés. Ah bah, faut dire que j'étais impressionnante. Bah et toi alors, t'aimais beaucoup des mecs? Non, mais c'est parce que je suis très difficile. Pourtant, moi je suis pas difficile. Et puis moi, quand je rencontre une fille, j'ai un truc, je lui fais sentir qu'elle doit pas s'intéresser à moi. Ça marche? Ouais, elle s'intéresse pas à moi. Edgar de Guy Blanchard, création originale d'après la chèvre de Monsieur Seguin. Monsieur Seguin en avait marre de voir toutes ses chèvres se faire dévorer par le loup. Il rachète donc une 7e petite chèvre, toute blanche, toute mignonne, une petite blanquette. Mais il jura celle-là que celle-là ne se fera pas manger. Alors il prend sa chèvre et il la met dans le jardin. La petite chèvre était contente, elle courait, elle mangeait des fleurs, elle se roulait dans l'herbe, elle courait. Et puis, un jour, elle lève la tête et elle vit la montagne. Comme ça doit être bien d'être sauvage en liberté. Du coup, elle prit son élan et saute à la clôture. Monsieur Seguin, qui avait gardé un œil sur elle, se dit: oui, ma chèvre, où est-elle, où est-elle? Elle est là. Il la récupéra. Il l'enferma dans la grange à double tour. Il se dit que cette fois, avec tous ses murs, elle ne pourra pas s'échapper. La petite chèvre savait qu'elle allait finir sa vie dans cette grange. Mais là, entre deux planches, elle vit un petit rayon de soleil. Et là, elle se mit à rêver. Mais tout d'un coup, elle vit juste à côté une fenêtre ouverte. Elle sauta sur une botte de foin, enjamba un tonneau et sauta par la fenêtre. Elle était libre, enfin à elle la liberté. Elle était dans la montagne, heureuse, toute contente. Et elle était tellement heureuse qu'elle ne vit pas le temps passer. Et la nuit était tombée. Elle entendit Monsieur Seguin en loin qui disait: reviens, Blanquette, c'est dangereux! Mais elle voulait pas revenir. Là, derrière un buisson, deux grandes oreilles noires, deux grands yeux jaunes, deux grandes dents blanches qui scintillaient au clair de lune. C'était le loup. Il se dit: je vais manger une bonne petite blanquette. Mais Blanquette avait réfléchi, elle avait une idée. Elle fit tourner le loup toute la nuit en boucle. Elle sautait sur un rocher, sur un autre. Et le matin, au réveil, elle s'allongea sur un rocher toute transpirante. Le loup se dit: je vais enfin pouvoir la manger. Mais au moment où le loup sauta, Blanquette sauta encore plus par-dessus lui. Et puis hop, elle lui enfonça les cornes dans le derrière. Le loup partit dans un pays très lointain. Une légende raconte même qu'un vieil homme qui murmurait à l'oreille de son cheval lui a dit que le loup ne pouvait plus s'asseoir pendant le reste de sa vie et qu'il a passé le reste de sa vie à quatre pattes parce qu'il avait les marques de Blanquette dans le derrière. Bonjour monsieur, j'aurais voulu les heures de train pour aller à Pau. Tu es? Bonjour monsieur. Pau! C'est ça, les heures de train pour aller dans la ville de Pau. Alors Pau! Oui, Pau avec un P. Alors Pau! Oui, comme ça s'écrit pareil. Pau! Et oui, bah je suis pas arrivé moi. Alors, vous avez un départ gare d'Austerlitz, 6h57, arrivé à Pau, 15h23. Ensuite, départ 8h32, arrivé 17h46. Oui. 17h42, 19h05, c'est un rapide. Mais je comprends. 13h20, 21h16, 17h02, 23h03, 18h40, 0h22. Oui, alors c'est train, monsieur, c'est pour Pau. Oui, monsieur, parce que vous m'avez demandé Pau. Non, mais il n'y a pas de problème, oui. Ils sont directs? Non, c'est de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Quoi? Il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau? Oui, monsieur, sinon vous irez tout droit en Allemagne. Il y a des vedettes, hein, là. Et des vedettes, il est marrant, lui, c'est pas évident, ça. Il n'y aurait pas un train qui partit plus tôt que celui de 6h57? Si, monsieur, il y en a un qui part à 5h13 du matin. Ah, très bien. Qui arrive à Pau à 22h31 le soir. Mais il n'arrive pas avant les autres? Non, parce qu'il y a un changement à Rennes. Vous n'avez pas de train de nuit? Si, monsieur, il y a des trains qui roulent la nuit. Oui, bah c'est bien. Il y en a. Tant mieux. Ils roulent, c'est la nuit. Ça oui, bah c'est les trains qui roulent quand il fait nuit qu'on appelle quasiment les trains de nuit. C'est ça. Voilà. Ils roulent, c'est la nuit. Je m'appelle Julia du Colombie, penchasse. Ce n'est pas pour me vanter, disait la virgule, mais sans manger de pain, j'ai les mots peines des scènes d'anglais, ne ferai que se percer. C'est possible, dit le point, mais je règne moi. Et les grandes majuscules se moquent toutes de toi et de ta queue minuscule. Ne soyez pas ridicule, dit le point, virgule. On vous voit moins que la trace d'une fourmi sur une glace. Cessez vos conseils à bulles, tous deux, je vous remplace. Maurice Carême.
pauvre garçon a toujours raconté sa vie. Il n'a pas changé depuis toujours, ce père, on n'est jamais content qu'elle pénie. Ça c'est vrai ça. Et tu sais que la Gigi, elle a un nouveau copain. Mais de quel Gigi tu me parles? Mais enfin, Gigi, c'est que ça nous affaire sur Starlet, toujours à bouger du popotin. Ah, d'accord, elle est revenue au camping. Oui, mais pas toute seule. Elle a un nouveau copain, Jesse, qui s'appelle. Pauvre Kevin, décidément, il n'a pas de chance. Mais bon, après tout, il a bien cherché. Comment ça? Mais enfin, tu te souviens pas? Pourquoi je devrais? Rappelle-toi, la dernière soirée, à la boum, cet idiot de Kevin a invité la Charlotte dans Gigi. Ah oui, ça nous revient, il lui avait même donné le Gigi. Tu veux dire, le cas se soit trouvé un nouveau copain. Moi, non, et tranquille, pas de relation, pas de problème. Ça c'est vrai ça. Ma plus tendre enfance, un de mes tout premiers souvenirs. Celui qui s'attache à mon institutrice. J'avais 4 ans, elle était merveilleusement belle. Elle était follement bon. C'est mon père qui l'a dit. Je m'appelle Léa Moupillet. Je rentre de l'école. Bonjour, mamie. Tu as drôlement grandi depuis la dernière fois. C'est parce que je mange bien. D'ailleurs, je vais me préparer un pot de céréales pour le goûter. Des céréales? Pourquoi ne manges-tu pas une pomme avec un morceau de fromage? Non merci, mamie. Je préfère les céréales. Moi, à mon époque, on ne mangeait pas toutes ces choses bizarres. Quand je partais le matin pour aller à l'école, ma mère m'aurait chauffé une soupe avec du lard et des pommes de terre. Et dans mon cartable, j'en menais du pain, du fromage et des noix pour le repas de midi. Vous n'aviez pas de cantine? Non, il fallait tout apporter de la maison. Yes. Pauvre garçon, toujours à raconter sa vie. Il n'a pas changé, toujours à se plaindre, il n'est jamais content. Quel pénible! Ça fait vrai ça. Et tu sais que la Gigi, elle est avec un autre garçon? Mais de quel Gigi tu me parles? Mais enfin, Gigi, c'est ce qui fait sa Starlet, toujours à bouger du popotin. Ah d'accord, elle est revenue au camping. Oui, et pas toute seule, elle a un nouveau copain, Jesse qui s'appelle. Pauvre Kevin, décidément il n'a pas de chance. Mais bon, après tout, il a bien cherché. Comment ça? Mais enfin, tu te souviens pas? Pourquoi je devrais? Rappelle-toi, l'année dernière, lors de la dernière soirée, quand on a fait la boule, cet idiot de Kevin a invité la Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient, elle avait même donné une gifle. Tu m'étonnes qu'elle se soit trouvée un nouveau copain. Au moins, nous, on est tranquille, pas de garçon, pas de problème. Ça, c'est vrai, ça. Les nids du colombier. Fable de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait à son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tête à peu près ses langages. Eh bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre fromage se rapporte à votre plumage, vous êtes les phénix, des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, ouvrant un large bec et sent tomber sa proie. Le renard s'est saisi et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur te dépend de celui qui l'écoute. C'est sans vous dire le fromage sans doute. Donc, le corbeau, je remets un peu tard, on ne le prendrait plus. J'en ai la fontaine. Je m'appelle Lou Fournier. Pardon mon colonel, j'aimerais vous voir entre deux manœuvres. J'ai été incorporé il y a quoi, une semaine, et j'avoue qu'il y a deux ou trois petites choses dont j'aimerais vous parler. D'abord, un truc tout bête, c'est la couleur de la tenue que vous nous faites porter. Mais qui s'est occupé du choix de la couleur? Parce qu'alors, Capsi, moi au début je pensais à un blanc cassé, et j'ai peur que ça soit trop salissant pour les exercices que vous nous faites faire. Mais alors, un petit rouge bordeaux, ça serait... c'est vrai que ça facilitera pas le camouflage. Mais on peut rester dans le vert. Tant pis, ce n'est pas la couleur que je préfère. Mais alors, un petit vert bouteille, ça serait plus sympa. Arrêtez de dire non, comme ça sans réfléchir. Maintenant, c'est au sujet de la cantine. On est beaucoup trop serré à table. J'ai conscience qu'on n'est pas à l'hôtel, mais regardez bien. On est serré, donc on mange mal, donc on digère mal, donc on est ballonné. Bon, ben, le résultat, on le verra au combat. La cantine, ça serait bien. Ah, tous les matins, il y a un type qu'il faut absolument trouver qui c'est. Qui, vers 6h du matin, joue de la trompette ou du saxophone, je ne sais pas quoi. Et ça réveille tout le monde. Il faut absolument trouver qui c'est. Le fait inscrire, mais il est fou, ce type. Ah oui, mais là non, 6h du matin, c'est beaucoup trop tôt. Moi, si je n'ai pas mes 8h de sommeil, je suis qu'à 52% de mes capacités. Pardon, vous allez m'offrir une chambre individuelle pendant une semaine. J'aurai rien à faire. Vraiment, c'est très gentil de votre part. Vous insistez, j'accepte. C'est nouveau, cette petite chambre individuelle? Comment ça s'appelle? Le move, ça sonne bien, ça sonne bien. Bon ben, je pars dans mon move, passez-moi voir l'occasion. Ah, vivement le week-end. Ah, le mien pour le week-end, c'est d'aller chez les amis. Ah, ben c'est sûr, quand c'est pas toi qui paye. Et puis, s'il y a un incendie, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Moi, je dis toujours, je suis invité, je t'aurai pas. Surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Et oui. Action. Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Ah, ben c'est sûr, hein, quand c'est pas toi qui paye. Et puis, s'il y a un incendie, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Moi, je dis toujours, je suis invité, je t'aurai pas. Surtout pas aider, si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Et oui. Quand tu as dit une fois, elle était piégée. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de déviser le couvercle d'un pot à corne. Oh, l'erreur. Bon. L'erreur, c'est à table, notamment de découper les poulets. Je dis, excusez-moi, je ne suis pas cuistot. Pareil, quand il te donne un titre bouchon. Excusez-moi, je connais pas. T'as raison, c'est un pot de ferma à la main. Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur village de bouge. Ils s'emmerdent dans leur trou. Alors moi, maintenant, je suis invité. Je fais plus de cadeaux, hein. Ce n'est pas apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'emmène des cadeaux, j'emmène des gâteaux. Bon, hein, quand même, tu sais, des biscuits. Ouais. Non, mais. Des bons, hein. Ceux qui sont présentés par le coffret à l'ouvrir. Ouais. En papier. Ouais.
mais surtout Robert. Ah, ben bien sûr, je sais, des petits beurres. Voilà. Mathis Dutour dans un sketch de Tom Adams. Alors, je vais raconter mon enfance, même s'il s'est passé des trucs bizarres dans mon enfance. Comme quand on m'appelait gros. On m'appelait tout le temps gros quand j'étais petit, en particulier mon pote Pumba. Lui, c'était comme ça, toute la journée, gros. Salut gros, je te kiffe gros, viens-toi gros. Et quand t'appelles gros toute la journée, à un moment, t'as forcément marre. La dernière fois que j'ai pris un café avec Pumba, je me suis senti tellement mal dans ma peau que juste après, je suis allé dans une salle de sport. Il y avait un monsieur, je lui dis, bon écoutez, on m'appelle gros, je voudrais faire du sport un peu. Il m'a répondu, c'est ça mon gamin. Si tu veux maigrir, tu vas choisir une machine à dans la salle. Et tu lis. Quand t'as envie de bouillir, tu vois. Allez, vas-y, gros. Tu vas. J'ai choisi une machine, j'ai utilisé. Elle était cool cette machine, il y avait des multis, des mars, des Kinder Bueno, des Kinder Maxi, des mêmes. Comme il avait dit, un moment, j'ai envie de dormir, donc j'ai laissé tomber la salle de sport. Voilà, voilà. Tiens, le gros là. Regarde, moi, je suis guerrier là. C'est quoi ce jeu, loulou? Fracasse-moi, c'est un jeu hyper tactique, un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Hein, et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Ah, oh, je peux jouer avec toi? Non, attends, je suis au 5ème niveau, t'es débutante. Allez, loulou. Non. Laisse-moi jouer avec toi. Bon, ok, prends la manette, t'es prête? Ok. Choisis un personnage. Moi, je prends la fille. Ouais, vas-y, prends la fille, t'es prête? Ouais. Tu vas voir. Ah non, je suis nul. Excuse-moi, loulou. Ouais, excuse-moi, c'est bon, c'est tout. Hé, regarde, Mathis. Oh merde. Bien joué. Ça, t'as pas vite, hein? Je t'explose, dis donc. Mais attends, comment t'as fait là, le coup? Les deux points là, les deux trucs en même temps. Ah ouais, tant de c'est mes charbis Marianne, cette manette là. Elles font chiant, ces manettes là. Yes. Ouais, bah évidemment. Comment je t'ai étalé, dis, vas-y, la revanche. Non, attends. Allez. Non, attends, ça fait 2 heures que je joue, j'ai mal au cul, ça fait moins chier. Ouais, c'est peut-être moi qui suis bonne, Rona. Ouais, bah. Allez. Je m'appelle Nathan. Il n'a pas changé, il n'est jamais content. Quel pénible. Ça, c'est vrai. Tu sais, Gigi, il s'est trouvé un nouveau copain. Mais de quel Gigi tu pars? Mais voilà, Gigi, ça s'est arrêté. Ah oui, elle est revenue en camping. Oui, mais pas tout seul, avec une autre copine. Pour Gigi, évidemment, il n'a pas de chance. Ça, c'est vrai. Comment ça? Mais tu te souviens pas? Pourquoi je devrais? Mais tu te souviens pas? L'année dernière, dans cette tige de Gigi, on a mis Charlotte devant Gigi. Ah oui, même qu'elle lui a donné une gifle. Tu me tiens qu'à faire retrouver un nouveau copain. Non, pas de garçon, pas de problème. Ça, c'est vrai. Je m'appelle Poisson Fouché. Pauvre garçon. Il n'a pas changé, il n'est jamais content, quel pénible. Ça c'est vrai. Tu sais, Gigi, il s'est trouvé un nouveau copain. Mais de quel Gigi tu parles? Mais voyons, Gigi, celle qui fait sa starrette. Ah d'accord, elle est revenue au camping. Oui, mais pas toute seule, avec un nouveau copain qui s'appelle Jesse. Oh, ok, mais décidément, il n'a pas de chance. Comment ça? Mais enfin, tu te souviens pas? Pourquoi je devrais? Rappelle-toi la dernière, cet idiot de Kevin a invité Charlotte devant Gigi. Ah oui, même qu'elle lui a donné une gifle. Tu m'étonnes qu'elle se soit trouvée un nouveau copain? Non, au moins, pas de garçon, pas de problème. Ça c'est vrai. Serena Parrain, casting TV TMJ, promotion Roger Arnay, des petits bronzés et petits périnés. Je regrette, mais Jean-Claude, le directeur, est parti faire une course. Mais pas de problème, je peux le remplacer. Quel est ton problème avec ton chalet? Lui, là, c'est ça? Oui, hein, mais tu es Benjamin, tu es un habitué ici. Oui, ça fait déjà 2 ans que je m'en suis. Mais j'en ai chatard, Jean-Claude m'a dit qu'il y avait un problème. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette année, tu n'auras pas ton chalet habituel. Oui, j'ai bien vu, pour m'apprendre que je peux changer. Je retrouve mon chalet habituel, le numéro 5. Non, tu es en numéro 6, mais c'est exactement le même, pareil. Mais je m'en fous, je suis habitué 3 ans pour revenir au numéro 5. Je veux lesquels sont les mêmes. On est bien numéro 5, on a déjà attribué. Un moment de changer. Comment ça, il est où, Jérôme? Il est parti pour la journée, mais il sera là ce soir. Alors, écoute, depuis 3 ans, avec ma famille, on fait 800 km tous les mois d'hiver pour venir en vacances ici, pour changer numéro 5. Je comprends, mais je peux rien y faire, je t'assure. Très bien, alors tu seras obligé d'expliquer à toute la boulot pourquoi ma famille va venir me chercher, que nous ne pas ici. Tempérant, casting TV TMJ. Promotion Rogiano, extrait des petits pontiers au petit camion. Je regrette, mais Jean-Claude, le directeur, il fallait faire une course. Mais pas de problème, je peux le remplacer. Quel est ton problème avec ton chalet? Venez là, c'est ça? Oui. Ah, mais tu es Benjamin, tu t'es habitué ici. Oui, ça fait déjà 3 ans que je viens dans cette colo. Mais mon chanteur, Jean-Claude m'a dit qu'il y avait un problème. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette année, tu n'auras pas ton chalet habituel. Oui, j'ai bien vu, mais on m'a promis que je pourrais changer et retrouver mon chalet habituel, le numéro 5. Non, tu es le numéro 6, mais c'est exactement le même temps. Mais je m'en fous, je suis habitué depuis 3 ans au mobilhome numéro 5. Je veux les clés de ce mobilhome. Ah non, je suis désolé, le mobilhome numéro 5, on a déjà attribué, pas moins changé. Comment ça attribué? Il est où, Dirlo? Non, il est parti pour la journée, mais il sera là ce soir. Ça, écoute, depuis 3 ans, avec ma famille, on fait 800 km à tous les mois de juillet pour venir en vacances ici, au chalet numéro 5. Mais d'accord, mais je peux rien faire, bien sûr. Très bien, alors tu seras obligé d'expliquer à toute la colo pourquoi ma famille va venir me chercher et je ne resterai pas ici.